Alors Jean-Louis Anani, vous savez que être ministre, c'est savoir gérer les catastrophes. Vous en avez géré beaucoup. La vache folle, l'Erika, etc. Donc on va vous faire une interview catastrophe. On ne bouge pas pendant le... On ne bouge pas, on ne bouge pas pendant le... On ne bouge pas pendant le jingle. Attends, il y a un nid de bafiste là, mais... Votre fils a volé chez vous un tableau. Votre tableau préféré. Pour s'acheter de la cam, vous faites quoi? C'est une catastrophe. J'arrête tout, j'arrête la politique et je m'occupe de lui. Ah ouais? Ah ouais, vous dites s'il en est arrivé là, c'est que je m'occupe pas assez de lui, ouais. Non, parce qu'il y a d'autres qui disent... Enfin, d'autres qui se défoncent avec la cam du fils, vous, non, pas du tout. Pendant les vacances, vous êtes en famille, vous êtes un bon papa. Vous vous retrouvez seul un jour comme ça dans la maison, avec votre belle-mère, et votre belle-mère vous fait des avances. Vous faites quoi? Ah, c'est un jeu de l'esprit, Jean, bien sûr. Oui, bien possible. Non, mais impossible... Pourquoi impossible? Impossible. Enfin, impossible que je réponde à ses avances et impossible... Bon, impossible. Ah ouais? Je suis incapable. Ah ouais? Elle est si moche que ça. Elle est un peu déçue, là. Vous draguez une fille sublime. Vous la ramenez chez vous, un peu comme dans Joyeux Pâques, la pièce d'Arditi. Votre femme n'est pas là. Vous découvrez que c'est un travelot. Vous faites quoi? Bah, je fais quoi? Machine arrière. Ah, bravo. Votre fille vous annonce qu'elle va se marier. Il s'appelle Omar Ben Laden. Vous faites quoi? Je parle à ma fille. Ah oui. J'entame le dialogue. Oui. Alors, vous êtes contrôlé pendant le week-end sur une route. Hein, vous êtes dans une voiture sympa, vous n'avez pas la safrane, vous êtes comme ça avec votre voiture. Voilà, les gendarmes vous contrôlent, ils inspectent la voiture. Et à ce moment-là, votre pote, votre ami qui est à côté de vous, vous avoue qu'il transporte 1 kilo de cocaïne. Vous faites quoi? Quel con. C'est une catastrophe. C'est pas vrai, hein, c'est des questions comme ça. Parce que là, je vois qu'il est super emmerdé. Hein. C'est un vrai. C'est pourquoi, pardon. C'est une vraie catastrophe. Il a eu tellement d'emmerde. Il a eu la vache folle, la fièvre afteuse d'Erika. Chaque fois qu'il y a une catastrophe, il croit que c'est vrai, tu vois. Bon, alors, Jean, qu'est-ce qu'on fait avec cette coke dans la bagnole? Je la brûle, je sais pas. Alors? Je la jette dans le caniveau. C'est con. Le jour même du mariage de votre fille, vous tombez amoureux de son fiancé, Omar Ben Laden. Vous faites quoi? Vous faites deux malheureux, là. Pourquoi deux? Bah, votre fille, d'abord, parce qu'elle pourra pas l'épouser, et puis Omar, parce que vous aimez pas les garçons. Non, mais ça... Ça peut changer à tout moment. Ah. Je sais comme je suis, je sais pas comment je serai dans 10 ou 20 ans. Je ne changerai pas dans... On arrive. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.